Bonjour, je m'appelle Gauthier Ludovic, je suis délégué syndical CGT à la CEITA à Riom. Alors, nous sommes victimes d'un plan de restructuration de Imperial Tobacco, notre groupe mère. Donc il y a 239 emplois en jeu sur le site d'Orion, donc des employés CETA, à savoir qu'il y a une trentaine d'intérimaires qui étaient tout le temps là, plus une trentaine de personnes de boîte extérieure. Donc on arrive à plus de 300 emplois sur le site d'Orion. Et le site des Aubrais vers Orléans, qui est touché aussi, qui licencierait presque 90 personnes. Donc on arrive à 400 emplois en tout. Donc voilà, on est en bataille depuis le 29 novembre à cause de ça. On va savoir qu'aujourd'hui, c'est les négociations sur les primes de licenciement. Et nous, le but, c'est de récupérer du fric. On sait que, de toute façon, nos élus locaux nous aident, mais au niveau national, ils ne parlent même pas de nous. Donc, on peut que compter sur nous. Donc, si on récupère beaucoup de fric avec nos primes de licenciement, on aura un projet de monter une SCOP qui a été... nos experts comptables du CCE ont monté le projet avec le président des SCOP d'Auvergne, et ça serait, même si on baisse nos marges de 30%, ça serait super fiable. Donc voilà, le dossier va être déposé aujourd'hui, donc on a un grand espoir de sauver le site.